Bonjour à toutes et à tous. Donc Philippe Jean-Jacot et Bertrand Gou, lycée Charlie Chaplin à Décines. Donc on a travaillé ensemble avec un autre collègue qui n'est pas là, qui est professeur de philosophie mais qui fait des cours cet après-midi à l'université. Donc avec en partenariat avec le musée des Confluences, et c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Donc on va vous montrer ce qu'on a fait. Donc le but de cette activité. L'idée, oui, c'était de réinvestir un petit peu ce qu'on vous avait déjà montré l'année dernière et en tout début d'année au mois de septembre, c'est-à-dire l'utilisation du fameux petit logiciel Apple Configurator 2 pour la gestion des tablettes, gestion un petit peu simplifiée des tablettes, et aussi donc l'utilisation en situation réelle avec les élèves de l'application Explain Everything qu'on vous avait présentée l'année dernière. Voilà, la fameuse application Explain. Très pratique. Voilà. Donc, on a proposé, pour mettre les choses au propre, on a proposé une classe à Pâques à l'Académie pour préparer cette activité. Et donc, on l'a fait dans le cadre de ce qu'on appelle une méthode des pratiques scientifiques, un enseignement d'exploration en seconde. Alors, on va vous montrer les... Voilà, ici. Et donc, sur la thématique de l'astronomie, mais en fait, c'est assez large. Hein. Et l'important, c'est que comme il y avait deux disciplines... différentes, la physique-chimie et la philosophie, il fallait que les élèves travaillent sur les deux en même temps et par l'intermédiaire de l'application Explain Everything puissent mieux s'approprier le musée. Parce que vous allez voir, ils étaient quand même relativement nombreux à y aller et donc on ne pouvait pas être derrière eux tout le temps. Et donc finalement, le fait d'avoir l'application et d'avoir une contrainte de production qu'ils devaient présenter à leurs collègues, enfin en fait il y a eu deux contraintes de production, ça les a quand même bien motivés. Enfin bien, oui. Il faut dire ce qui est assez bien. Donc voilà, on est tous les trois, la liste de tous les trois. Donc Raphaël, donc en philo. Nous deux en physique-chimie. Oui, moi plus sur la disciplinaire en tronc commun. Et Philippe, donc, qui intervient en MPS. Donc toutes les connaissances, toutes les connaissances et les capacités ont été en fait développées dans le tronc commun. Et après, pour une utilité beaucoup plus pratique en MPS. Et l'utilisation de l'application qui finalement est relativement simple à utiliser. Hein. Vous verrez, les élèves ont trouvé l'application très simple à utiliser. Là, on a travaillé ça en enseignement d'exploration. Donc, toi, tu ne l'as pas travaillé. Tu as vraiment travaillé le contenu disciplinaire de physique-chimie. Mon collègue a travaillé aussi le contenu disciplinaire philosophie. Et puis moi, je suis intervenu plus aussi un peu sur l'astronomie et sur l'utilisation de l'application. Voilà. Alors, on avait 47 élèves, c'est-à-dire deux groupes. C'est un peu le fonctionnement de ce genre d'enseignement d'exploration. Comme on est deux professeurs sur le même enseignement, et on avait deux groupes en même temps. On a une grande salle au lycée qui permet d'accueillir les 47 élèves d'un coup. Donc pour travailler, pour préparer, ils ont pu travailler tous ensemble. Bon, avec deux profs, 47 élèves, des fois c'est compliqué à gérer, mais bon. Et donc là on a fait 15 équipes pour le projet, puisqu'en fait on n'avait 15 tablettes. Donc on aurait eu davantage de tablettes, on aurait pu effectivement faire... Alors en fait, on en a 16, mais ce qu'il y a, c'est que... Ça, c'est ouais, mais 15. 15, ouais. 15 était le bon nombre. Mais bon, on aurait pu en faire davantage. Donc la MPS, donc c'est 27 séances dans l'année de 2 heures. Et donc là, on a travaillé sur 9 séances. Voilà. Donc pas sur l'entière, pas sur tout l'enseignement d'exploration, sur une partie. Bon, après, voilà, il faut diversifier un peu l'enseignement. Donc on ne peut pas faire ça non-stop aussi. Et bon, ça leur a permis de faire vraiment quelque chose de différent, de sortir de l'établissement et de produire quelque chose quand même leur sortie. Quoi. Et de faire des choix dans les modes de production, on verra tout à l'heure, effectivement. Donc pour faire un petit déroulé, on va faire un peu le planning de ce qu'on a fait, puis comme ça on verra un peu au fur et à mesure ce qui a été abordé, les points positifs, et puis un peu ce qui a été compliqué à gérer. Donc on a... on a commencé par une préparation de la visite. Donc, on leur a fait choisir un peu à partir du site du musée, sachant qu'on allait à l'expo d'origine, des œuvres qu'ils voulaient un peu commenter. Donc, on a restreint tout de suite sur quelques œuvres. Bon, alors, je ne sais pas après, c'est peut-être une erreur parce que les élèves ont regretté de ne pas pouvoir, déjà d'être confinés à l'expo d'origine, pas pouvoir visiter les quatre expositions. Donc c'est peut-être quelque chose qu'il faudra qu'on modifie après dans les autres visites. On va laisser quand même un peu bridé, peut-être une visite supplémentaire où ils font l'ensemble. Mais sachant que là, c'est pareil, il faut peut-être qu'on les contraigne quand même en production, qu'ils aient quelque chose à faire sur la visite. Voilà. Donc ils regrettent un peu d'être restés confinés sur cette exposition
et d'être aussi un peu confinés sur ce qu'ils ont étudié comme œuvre. Donc ils ont pu étudier à fond quand même. Alors d'un autre côté aussi, c'était peut-être aussi un peu plus confortable à la fois pour nous, puisqu'on pouvait maîtriser quand même un petit peu tout ce qui était dans cette salle à la fois pour sciences et philosophie. Il y avait cette belle complémentarité entre les deux disciplines, ce qu'on ne trouvait pas nécessairement dans les autres salles. Donc c'est vrai que ça a été aussi un petit peu confortable pour nous aussi, pour une première approche. Oui. Et ce qui est bien avec le musée des Confluences, c'est qu'en fait, quand on fait les visites scolaires, on n'a pas d'autres visiteurs. Mmh. Donc à part d'autres groupes, il n'y a qu'un groupe. Enfin, il n'y avait que nous. Et donc c'est quand même plus pratique à gérer dans le musée. Ouais. Ouais. Mmh. Donc on les a initiés à Explain Everything. Donc moi, ce que j'avais prévu, en fait, c'est de leur préparer déjà. Donc le but dans Explain, c'était de faire une vidéo. Donc de faire une vidéo carrément un rush, quoi. C'est-à-dire de faire en temps réel devant les autres la vidéo pendant qu'ils présentent. Donc c'était un challenge, mais finalement, comme lors de la présentation, les autres sont relativement calmes, la salle est au niveau acoustique est correct, ce qui fait que ça rend quand même quelque chose d'assez propre. De propre, voilà. Bon, on sent que ce soit forcément diffusable, mais ça rend quelque chose de propre et de facile à faire. Ouais. Vas-y, ouais. Alors... Donc après, on a fait la première visite, donc on a emporté le matériel avec nous, donc nos tablettes, c'est tout. On a une mallette complète, on a la mallette. Avec de transport, oui. On avait une petite mallette de transport, mais sinon les tablettes sont disposées dans une mallette qui fait cette taille. Une grande valise, Une grande valise. Donc il y a les 16 tablettes dans un rack qui sont toutes connectées à un hub. Et le hub est connecté à un ordinateur maître, donc qui va nous permettre de récupérer de façon extrêmement rapide leur production. Donc ça, je pourrais peut-être expliquer comment on fait, parce que donc là, ils vont produire pendant la visite. Il faut quand même qu'on garde la production après. Et les tablettes sont susceptibles d'être utilisées par d'autres professeurs. Et donc la récupération est immédiate et se fait dans les 15 minutes en fin de séance. Donc c'est pour ça que c'est très pratique. Oui, même moins que ça va très vite. Le temps de tout connecter, 15 minutes. Musée ouvert qu'au groupe, la gestion facile des 47 élèves. C'est des élèves qui aiment bien quand même... qui aiment bien bouger. Qui aiment bien bouger, quoi. Voilà, c'est pas des secondes bien... On avait une visite assez fluide dans l'exposition, puisque 47 élèves uniquement dans la salle. Je ne sais pas si vous connaissez cette salle d'exposition. C'est vrai que c'est bien. Il y a une répartition assez homogène dans la salle. Et puis, on peut justement passer d'un groupe à l'autre assez facilement. L'intérêt aussi, donc, c'est qu'on peut récupérer un très très grand nombre de données sur les œuvres qui ont été choisies. Et après, effectivement, on pourra faire soit la vidéo en direct, soit un pré-tri. Donc ça, c'était plutôt intéressant. En fait, on n'est pas limité en taille. Voilà. Alors donc, avec l'application Explain, en fait, les élèves vont donc prendre des photos, des vidéos, et vont les mettre directement dans leur diaporama Explain. Donc, ils ne vont pas... Bon, ils vont être stockés en photo, tout ça, mais ils vont les placer directement dans leur diaporama, ce qui fait qu'à la fin, quand on va mettre... les tablettes dans la mallette, sur le rack avec le hub. On va connecter l'ordinateur, on va ouvrir le logiciel qui gère toutes les tablettes dans le configurator et on va demander de récupérer les documents. Et donc ça va prendre le temps de quelques minutes en fait. Parce qu'on vous en quelques minutes, on a récupéré les documents. Après, pour libérer la place pour les collègues, on va désinstaller l'appli Explain Everything, donc il va tout nettoyer. Les documents sont sur l'ordinateur. On réinstalle et donc c'est bon pour le collègue suivant qui veut utiliser les tablettes. Et la fois d'après, on peut redéployer ce qui avait été déjà précédemment fait. Voilà. Donc il y a une espèce d'aller-retour qui est assez simple, sans trop de contraintes. Et surtout, on n'écrase pas les fichiers. C'est ça qui est intéressant. Alors, maintenant, moi, j'utilise régulièrement. Ce matin, je l'ai utilisé avec des élèves de terminale pour un exposé sur de DNL, sur un exposé sur une manip de physique. Donc j'ai les fichiers sur l'ordi. Je suis arrivé comme j'arrive en cours. J'ai branché l'ordi, j'ai transféré les fichiers, ça m'a pris 2 minutes. Les élèves ont pris leur tablette, ils ont préparé leur vidéo, ils n'ont pas tout à fait fini, ils ont tout sauvegardé sur Explain. J'ai tout récupéré et à 11h j'avais tout fini, enfin en 5 minutes tout était prêt, je pouvais venir ici. Donc vraiment, c'est une simplicité d'emploi dans la gestion de quand même quelque chose qui est relativement conséquent, parce qu'il y a quand même 15 groupes avec beaucoup de photos, des vidéos, un gros flux. Donc effectivement, extrêmement rapide, quoi. Oui, c'est ce qu'on avait effectivement pressenti un petit peu pendant les vacances, quand on avait effectivement vu un petit peu entre le mois de juin et le début septembre toutes les possibilités de ce fameux logiciel Apple Configurator. Là, on l'a mis en situation concrète, donc avec 47 élèves ou avec des groupes de DNL, et ça fonctionne très très bien. Alors je rappelle que Bertrand avait parlé lors d'une présentation précédente qu'en fait, quand les élèves ont les tablettes, ils ont en fait un profil.
Donc, je ne sais pas si on peut... Tu l'as mis quelque part, ça ? Non. Je ne sais plus si on l'avait mis, ça. Non, je l'ai sur l'autre présentation, mais je n'ai pas là. Oui. Ils ont un profil, c'est-à-dire que toutes les applications sont chargées sur la tablette, mais eux ne voient que celles qu'ils vont utiliser. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. Donc, il y a un profil vraiment où là, ils vont avoir juste Explain, l'appareil photo, et on avait mis iMovie, je crois. Oui, c'est ça. Mais je l'ai mis un petit peu plus loin, effectivement. Ouais. Donc, vraiment que les applications utiles pour les élèves, sans plus. Voilà, donc là, en plus, dans le musée, on était en mode hors connexion. Mmh. Donc, en fait, il ne pouvait aller que sur les trois applications, Explain, l'appareil photo, et je crois qu'on est peut-être mis iMovie, oui, c'est tout. Donc, en fait, on était relativement serein. On ne pouvait pas faire grand-chose d'autre que ce qu'on leur avait affecté comme tâche. Donc voilà les consignes. Donc vous voyez afficher les consignes qu'on a données aux élèves. Mmh. Donc présenter votre travail, qu'ils doivent présenter la semaine d'après. À peu près 10 minutes de présentation. Mmh. Bon, en général, c'était moins. Hein, mais donc, ils doivent parler un peu de philosophie. Enfin, il y a une partie philosophie, une partie physique, chimie ou astronomie. Voilà. Et donc, la présentation dynamique et compréhensible. Oui.